trop notre magasin? Oui! Merci, félicitations à vous tous. Effectivement, c'est un grand jour. Ce jour-là, on l'attend. Ça fait longtemps. Ça fait un an qu'on s'en parle. Ils disent que faut souffrir pour être beau. Ben, je peux vous dire qu'on est beau en patinie. On a montré qu'on est une grande famille. Et quand on a un défi à relever en groupe, on est capable de le relever. Et puis là, on a vu des gens qui ont été aidés, qui aujourd'hui sont venus aider. Puis la prochaine fois, c'est vous autres qui allez avoir du fun à venir aider le prochain. Mais en votre nom, en mon nom, je remercie tous les magasins qui sont venus nous supporter, la relève extérieure. C'est un magasin exceptionnel. On a construit un nouveau magasin. On a construit un nouveau magasin avec les dernières tendances. On a travaillé 3 ans à travailler sur des concepts avec des départements. C'est-à-dire pour répondre aux besoins des consommateurs qui sont beaucoup plus tendances, qui nous emmènent vers leurs nouveaux besoins. Il faut qu'on donne cet amour du métier. Cet amour du métier d'aimer servir nos clients. Ça, là, gardez-les un client à la fois. Donnez cet élément-là. Bravo à tous les champions que vous êtes. Je peux vous dire, quand on a décidé de faire ce projet-là, c'est parce qu'on savait que vous étiez là. Je suis fier de travailler et de desservir la population de Granby avec vous. Merci. Oui, t'es-tu content de l'ouverture aujourd'hui? Oui! Très heureux d'être ici. J'ai connu le régional, on vient de découvrir l'entrepôt, plus vaste, ça va être plus facile à travailler. C'est un travail d'équipe qu'on fait. Oui, vous êtes content d'être ici? Oui, monsieur. Oui. Oh, c'est cool! Ouais, super. T'étais pas là, toi, un matin? C'est mes voisins, là. Qu'est-ce que je marque pas de mon bruit? Ça va être une aubaine. Ouais, hein? Bonjour. Ça, c'est notre petit nouveau. Tu l'as drillé pour travailler. OK. Pour que tu travailles. OK. Lui, là, c'est... Oui, oui, oui. C'est notre petit nerveux de la gang, là. Enfin, fini les rénovations. Okay. Bien, ça. C'est le même prix qu'en 1990. Non, non, non. Juste faire semblant que vous aimez... Okay. Tu sais, que vous travaillez un petit peu. Ah! Parfait, ça, merci. C'est lui le client mystère, OK! Merci, les gars. C'est bon, on aime ça faire ça travailler. C'est bricolage 101, c'est ça, ici, là? C'est ça. J'invite tout le monde à venir voir ça. Puis je suis très heureux de pouvoir continuer à servir les clients chez Rona. Ma passion m'amène à relever des défis et à vivre des expériences trépidantes.
La passion de M. Hébert et de toute son équipe l'amène également à relever des défis. L'ouverture de ce nouveau magasin marque une étape déterminante dans l'évolution de l'entreprise. Elle représente tous les efforts qui ont été investis depuis des années afin de trouver le meilleur moyen pour offrir aux gens de la grande région de Granby un magasin bâti sur mesure pour répondre à leurs besoins de consommation. L'investissement de plus de 6 millions de dollars et la création de 30 nouveaux emplois directs qui viendront s'ajouter aux 170 emplois existants démontrent bien notre désir de participer activement au développement de Granby. Le terrassement, l'excavation, le parage, l'électricité, plomberie, ventilation, système d'alarme, les arpenteurs, les ingénieurs, les notaires, c'était du monde de Granby. Et aujourd'hui, c'est le grand jour. On vous souhaite la bienvenue chez nous au Rona L'Entrepôt de Granby. Quand j'étais étudiant, je travaillais à la quincaillerie Tétro sur la rue principale, qui était un Rona. Et le propriétaire de l'époque, Gaston Tétro, a été un des cofondateurs de Rona et a été très impliqué. Et je me rappelle, probablement que j'ai été à bonne école avec lui, je me rappelle qu'il m'emmenait à Montréal quelquefois chez Rona et j'étais toujours impressionné de voir un grossiste en quincaillerie et qui évoluait, grandissait. Ce développement va nous permettre aussi de maintenir notre engagement de privilégier des produits québécois et canadiens dans tous nos magasins. En effet, chez Rona, plus de 90 % des produits offerts aux consommateurs proviennent d'entreprises canadiennes et quelques 50 % d'entre eux sont fabriqués ici, au Québec. Chez Rona, on croit fermement à l'importance d'appuyer les entreprises dans les régions où nous faisons affaire. Ici, par exemple, la compagnie MDR et les plastiques cellulaires polyformes trouvent leurs produits dans tout notre réseau. Maintenant, j'ai 200 nouvelles raisons d'être fier d'être président de Rona. Vous avez réussi à relever un défi, un ambitieux projet. Félicitations, c'est un grand succès. Merci donc à tous les employés de leur engagement et à nos fidèles clients pour leur soutien. Longue vie à ce magasin et on se revoit dans 5 ans pour un agrandissement. C'est parti! Ouais! Voilà, longue vie au Rona L'Entrepôt Granby. Oui, on vous remercie. Toutes les journées.